Coucou les vilains! Coucou les vilaines! Bienvenue dans notre chaîne YouTube, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors pourquoi spéciale? Parce que on va lancer un petit concept un peu hors du commun de ce qu'on fait d'habitude, book haul, avis livresse, etc. En fait on va vous présenter une petite vidéo divertissante aussi bien pour nous que pour vous. Donc notre vidéo un peu spéciale en fait c'est un jeu. Ouais, une sorte de jeu, ouais. Enfin, voilà. Qu'on s'est lancé à toutes les deux. C'est ça, et en fait, le concept du jeu, c'est on donne une couleur et on vous présente un livre qui a cette couleur. Voilà, donc moi, je lui ai présenté certaines couleurs. Je lui ai dit, tu vas chercher les couleurs qui correspondent à certains de ces livres, et vice-versa. Et donc, on va vous présenter ça. Donc pour la première couleur, je lui ai lancé la couleur noire. Et moi, du coup, j'ai trouvé alors le signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Et je crois que c'est l'édition collector, je suis pas sûre. Parce que voilà, bon, je l'ai en édition collector. Donc pour moi, il rentrait parfaitement dans la couleur noire. Je lui ai lancé, moi, la couleur rouge. Et pour le rouge, j'ai choisi Le Voyageur de Silka de Heather Morris aux éditions France Loisirs. Pour la couleur blanche, j'ai choisi L'instant présent de Guillaume Musso aux aux éditions Oxo. Ensuite, moi, je lui ai lancé la couleur verte. Est-ce que je l'ai rattrapé? Parce que tu me lances. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et moi, je vous présente Marie Higgins Clark, La nuit du renard aux éditions France Loisirs. Ensuite, la couleur rose. J'ai choisi pour ça Un soupçon d'interdit de Françoise Bourdin aux éditions France Loisirs. Il est totalement rose. Hein. Voilà, il est rose. Il est beau. Il est vraiment rose, même derrière, on voit pas trop à cause de la lumière, mais il est rose. Hein. Ensuite, j'ai choisi la couleur marron. Alors, pour la couleur marron, moi j'ai choisi Ken Follet aux éditions Libre de Poche, Le vol du frelon. Ensuite, la couleur grise. J'ai choisi pour cela L'enfant de tous les silences de Kim Edwards aux éditions France Loisirs. Et il est bien gris. On croirait pas qu'il est gris là quand même. La caméra, on voit pas qu'il est gris. Ensuite, je lui ai donné la couleur orange. T'as changé, tu dis tu me le lances pas. Non, je te dis après. Et moi j'ai choisi donc pour celle-ci Daniel Steele, Une saison de passion aux éditions France Loisirs. On n'a pas de partenariat avec France Loisirs, hein. C'est pas fait exprès. On a juste choisi les couleurs et on a pris ce qu'on avait. Voilà, France Loisirs, voilà. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ouais, on peut se mentir. Mais bon, après, voilà, il y en a quelques-uns là, c'est vrai. On n'a pas fait exprès. Pour l'avant-dernière couleur, je lui ai demandé du bleu. Et pour cela, moi, je réponds avec Butterfly de Yousra Mardini aux éditions PKJ. Il est bien bleu. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait la bandelette rose, là, c'est archi moche. C'est alors pas qu'elle ouf. Était jolie. Ils auraient pu mettre à l'intérieur du bouquin, tu vois. Pour finir, je lui ai donné la couleur jaune. Et pour le jaune, j'ai choisi Jojo Moyes, Où tu iras, j'irai aux éditions Bragelonne. La vidéo est maintenant terminée. On espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. Si vous voulez participer, comme nous, à choisir les mêmes couleurs que nous et nous donner vos livres à vous, vous pouvez, que ce soit sur n'importe quel réseau, même YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous participez aussi. Ou alors nous hashtaguer, je sais pas comment on fait. Hashtaguer sur Insta. Peut-être, oui, voilà. Essayez de nous envoyer vos trucs, comme ça on ira voir ce que vous avez fait. Ce que vous avez choisi. Si vous le faites aussi. Si ça vous a un peu inspiré aussi, parce que finalement on propose aussi d'autres livres et puis des anciens, des nouveaux, et puis c'est rigolo. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. Au revoir. Bye bye.